L'électricité est synonyme de puissance et de richesse. Puissance qui, partout où elle est utilisée, crée la richesse. Cette puissance, cette force liquide, est une arme essentielle dans la bataille que la France a engagée pour sa renaissance économique. Dans notre civilisation industrielle moderne, une immense réserve d'électricité est indispensable à toute nation qui entend maintenir sa place dans le monde. La France, avec ses fleuves et ses rivières multiples et rapides, est particulièrement riche en houille blanche, la source d'électricité la meilleure et la moins chère. Pour capter cette énergie et pour la rendre productive, la France élève de gigantesques barrages. En Dordogne, sur la Garonne et sur des cours d'eau secondaires, échelonnés entre le Rhin et Bordeaux. 58 barrages au total. L'entreprise la plus colossale de notre histoire. Ces énormes turbines produisent annuellement assez de courant pour éclairer la France entière pendant 20 jours. Il suffit de tourner un bouton et ces turbines distribuent instantanément son électricité dans n'importe quelle partie de la France et dans n'importe quelle partie de l'Europe, partout où l'on a besoin d'elle. Je suis resté un mois comme mineur, mais après surtout l'entretien pour l'avancement des galeries. Dans les chantiers, il y a plusieurs travaux, quoi. Le travail de mineur, après il y a le travail de l'entretien, parce que derrière il fallait des équipes pour avancer l'eau, la ventilation et les rails, quoi. Au début, on a commencé le minage, le percement de la galerie au perforateur, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait tous les trous de marqués, il n'y avait qu'à forer, quoi. Et après, il y avait un responsable qui chargeait. Il fallait charger et relier tout le tir. C'était un tir électrique, à la marmotte, ils appelaient. C'est une batterie, quoi. On le remonte à la manivelle, et vous reliez les deux fils, et vous faites péter. Et on faisait à chaque tir une avancée entre 2 mètres et 2 mètres 50. Quand on a fait le barrage, il a fallu essayer pour voir si le pont tenait ou pas. Alors ils ont mis des appareils dessous là, et alors les types m'ont dit tu passes doucement et on va voir si le pont baisse, s'il fait un mouvement. Et moi ils m'ont dit il faut prendre le camion chargé, avec 40 tonnes dessus. Mais moi, j'étais pas tranquille, quoi. J'avais pas de garde-corps. Je voyais le précipice en bas, j'ai dit si jamais le pont va pas, je vais m'esclaffer comme une figue moi en bas. Et voilà, et je suis passé là-dessus. J'ai participé à la construction de la centrale à béton et on y a travaillé pendant 3 mois, je crois, à construire un énorme pylône qui comportait les bétonnières, les trémies pour les agrégats au-dessus, tapis roulant, etc. Dans la composition de béton, il y avait 5 compartiments qui allaient
du plus gros qui faisait 5 cm de diamètre en gros, au plus petit qui était du sable de concassage. Ils se sont rendus compte à l'usage qu'il manquait de matière fine dans le béton et on a ajouté à la pelle sur le tapis roulant du sable très fin qui venait de la carrière de Carlincas. Le ciment, il était dans des espèces de petits conteneurs coniques avec un système de balance avec des poids. C'était difficile à piloter parce qu'il y avait double câble porteur en triangle et c'était difficile de diriger la benne exactement là où il fallait. Mais enfin, Ferraco était un champion pour ça. Moi, en tant que médecin, si vous voulez, j'ai de très très bons souvenirs, parfois un peu endeuillés, mais j'ai de très bons souvenirs. Au point de vue médical, c'était super, parce que c'était beaucoup de petites chirurgies. Je faisais moi-même mes radios, j'avais mon appareil de radio, il y avait les femmes aussi, des ouvriers. Alors j'ai fait des accouchements à domicile. Bon, donc je faisais pas mal de choses moi-même. C'était très juste un peu, mais j'étais quand même bien entouré. En 1953, la France aura doublé sa production d'électricité d'avant-guerre. Nous avons sans cesse besoin de plus d'électricité pour l'extension de nos industries, pour notre existence quotidienne, pour notre santé et pour notre bien-être. Chaque jour, nous comprenons mieux l'influence de l'électricité sur notre standard de vie et chaque jour, nous en exigeons davantage. Oui, il nous fallait plus d'électricité et le Rhône seul ne pouvait nous en fournir assez. Nous en avions besoin pour des centaines et des milliers de fermes, pour des villages, pour des villes. Aussi avions-nous envisagé de capter les forces hydrauliques du Massif central. Nous avions commencé, mais la guerre a tout interrompu. Après la libération, nos besoins étaient plus urgents que jamais. Nous nous sommes remis au travail et maintenant nous mettons les bouchées doubles. Pour activer la construction des barrages, nos ingénieurs ont inventé des techniques révolutionnaires, souvent très en avance sur celles des autres pays. Les agrégats dragués dans le fleuve sont utilisés pour la fabrication du ciment et une espèce de chaîne sans fin fonctionne continuellement des dragues à l'usine de ciment, de l'usine au chantier, des chantiers aux dragues. Une nouvelle méthode a été inaugurée à Bord-les-Orgues. Des blocs préfabriqués sont placés directement par une grue électrique sur le plot. Et pour les assembler, des milliers de tonnes de béton sont déversées sans interruption. Ainsi s'élèvent les murs titanesques du barrage. Regardez ces bennes, dirigées chacune par un conducteur individuel. Elles s'aiguillent avec précision sur le réseau compliqué des téléphériques. Elles viennent déverser sans arrêt leur chargement de béton. Une fois au sol, il est agité au vibrateur pour en expulser l'air et le rendre ferme et compact. Ces énormes conduites amèneront l'eau aux turbines. Certaines ont 6 mètres de diamètre et leur débit à la minute pourra égaler celui de la Seine.
Nous travaillons jour et nuit, sans interruption. Nous avons déplacé des routes, des voies ferrées, des villages. Nous avons détourné de son lit un grand fleuve comme le Rhône. Nous avons creusé et charrié 50 millions de mètres cubes de terre. Il nous fallait de l'électricité. Toujours plus d'électricité. Aujourd'hui, grâce à un labeur acharné, la production commence à rattraper son retard dans la course engagée avec la consommation. Demain, elle sera à sa hauteur. Nous avons vu grand, construit avec audace. La prospérité de la France récompensera notre effort.